Il est quelle heure? 4h30? Différente ambiance que Bali en moon boots. Et nous partons en Laponie. On a bien déposé nos affaires à notre hôtel qui est là. On n'a pas pu check-in tout de suite parce que c'est à 16h et il est actuellement midi je crois, donc on fait un petit tour du village du Père Noël. Littéralement ça s'appelle comme ça. Et c'est trop beau. J'ai l'impression d'être dans un film de Noël sur TF1. Premier stop, nous allons voir le Père Noël. Le vrai. Expédition. Donc tout ça derrière c'est le... Ouh, Santa Claus Village. Faut que je regarde où je marche. Et là on va traverser l'autoroute en passant là en dessous pour arriver dans la forêt. Ça y est, on peut enfin check-in et découvrir notre petit cottage. C'est vraiment trop beau. Les lumières commencent à s'allumer. Il est bientôt 16h. Il fait déjà presque noir. Petite visite de notre chalet. On vient d'arriver. C'est vraiment trop mignon. Hop, le lit, petit espace salon, et derrière, on a une trop belle vue, on est vraiment tout au bout, mais du coup on a toute la, bon, je vous montrerai demain, toute la forêt derrière. Il est quasiment 18h déjà, mais il fait noir depuis très longtemps, on était en train de s'endormir dans le lit, là on s'est bien reposé, on est crevé. On s'est quand même levé à 2h30 ce matin, mais on se fait violence, on va ressortir dans le froid et normalement on va aller au Snowman World, donc c'est un genre de grand parc en glace où t'as des activités, un ice bar et tout ça. Donc on va aller faire ça et après normalement on va aller manger au resto. Du coup je vous ai pas trop montré de nuit les petits chalets, c'est vraiment trop trop beau. On est fin janvier mais on est vraiment encore dans l'esprit de Noël. On a tous notre petit sapin. C'est trop mignon. Partout où il va, il ramasse des boules de neige. C'est hyper frustrant parce qu'on dirait qu'on voit plein d'aurores boréales quand je filme. Ça a des reflets un peu verts et violets. Mais pas du tout. Ce sont des nuages. Tu vas jeter sur qui celle-là ?
L'ambiance est totalement différente de nuit. Tous les arbres ils sont éclairés. C'est trop beau. C'est encore mieux. Et du coup, nous voilà au Snowman World. Oula! Snowman. Du coup, il y a plein d'activités. On a payé 28 euros par personne, mais c'est valable toute la journée. On peut revenir, ressortir, etc. C'est ouvert jusque 20h et du coup, on a. Oula! On a Ice Disco, Ice Bar ouvert jusque 22h, Ice Skating et après il y a des jeux, des labyrinthes comme ceci. C'est trop beau! Verdict de le Snowman World, c'est bien. Je sais pas si ça vaut 28 balles. Ça vaut pas 28 balles. Mais tout l'art comme ça dans la glace, c'est vraiment trop beau, hyper bien fait. En fait et l'ice bar, j'en ai jamais fait, c'est trop bien. C'est quelque chose d'inédit. Donc ça vaut les 28 balles, même s'il n'y a pas tant d'activités que ça. Ouais, c'est ça. Après, il y avait de la patinoire et tout, on l'a pas fait. Le labyrinthe, c'est une blague. C'est juste pour dire d'avoir un labyrinthe. Le ice disco, ice bar est hyper beau, mais c'est un peu glauque parce qu'il n'y a personne. Et genre, t'as un gros DJ qui fout de la musique, mais t'as rien. Et t'as très peu d'options de boissons. Il y avait, comme nous, on a pris un vin chaud et Théo a pris un truc à la vodka, mais t'as pas de bière, t'as pas de vin. Mais bonne expérience. Théo m'a rien dit depuis tout à l'heure, mais en fait, son shot, c'est un glaçon. Ce que j'étais en train de regarder, ça se décomposait. Je me disais, c'est trop bizarre. Mais en fait, c'est un glaçon, tout ça, c'est un glaçon. C'est si ouf. Ah ouais, donc ta serviette, elle est trempée là. Ça glisse, mais genre, comme never. C'est ouf. Du coup, faut boire vite. Ouais. Putain. On vient de rentrer du petit-déj et du coup on est en train d'un peu d'explorer dehors de notre cabine parce qu'hier il faisait noir. Et en fait on est vraiment la dernière cabine donc on a toute la forêt derrière. C'est vraiment magnifique. Et le soleil commence à se lever et j'ai l'impression que ça va être un peu moins couvert qu'hier. Il prédise un peu plus de soleil aujourd'hui mais du coup moins 15 degrés dans l'après-midi. Ça va piquer, hier on avait moins 2. C'est une journée totalement différente avec le soleil. C'est trop beau. Ça, c'est notre petit chalet. On a rendez-vous à midi. Je disais, on a rendez-vous à midi pour aller faire du chien de traîneau aujourd'hui. On a trop hâte. C'était un truc qu'on voulait vraiment faire. Alors, ça a son prix. On paye 180 euros par personne pour une heure de chien de traîneau avec visite de la ferme des Yuskis, etc. Mais c'était un truc absolument à faire et on ne se voyait pas ne pas le faire en venant ici. Du coup, on a tous les deux trop hâte, on est des gamins. Et Théo vraiment redécouvre les joies de la neige. Il arrête pas de faire des boules de neige et les jeter contre les arbres. Thank you.
pas eu le temps de faire de débrief en partant des chiens de traîneau, enfin de l'activité du chien de traîneau. Là, on est rentré du coup au village, on est dans notre cottage, on est fatigué, on est crevé, ça crève de trop la neige. Du coup, on va se reposer une petite heure. Là, il est 15h, on va se reposer jusque 16h, 16h30. Quand la nuit sera tombée, on va aller refaire un petit tour. On a été ce midi, du coup, en rentrant. Enfin, c'était un peu plus tard que midi. On a été acheter un bon hot dog. Et on a acheté des petites bières et cidre pour aller boire autour du feu tout à l'heure. Il faisait hyper beau ce matin, jusque 14h. Le ciel était découvert. On avait trop d'espoir de voir les aurores boréales ce soir. Mais là, c'est hyper brumeux, hyper nuageux, beaucoup de brouillard, donc je pense que c'est mort. On verra demain soir, c'est notre dernier espoir. Mais dans tous les cas, on a déjà vécu des trucs de ouf et checké plein de trucs de notre bucket list avec les chiens de traîneau, la Laponie en général et tout. Donc si on les voit pas, ce sera pour une autre fois. On est déjà trop contents, on a des étoiles plein les yeux du chien de traîneau. C'était incroyable, on a appris plein de choses sur les chiens de traîneau. J'avais un peu peur que ce soit. Enfin, j'avais peur pour les chiens, tout ça, mais ils nous ont bien expliqué que tout est bien fait dans les règles de l'art, que ces chiens sont faits pour ça, ils sont faits pour vivre dans le froid, dès qu'on dépasse les 5 degrés, pour eux c'est trop chaud et ça devient dangereux limite pour eux. Et voilà, on a bu un petit jus de baie, c'est un truc d'ici, c'est un peu comme un thé aux fruits rouges après les chiens de traîneau et du pain d'épices, et puis après on est rentré. Donc voilà, là je vais faire une petite sieste et on vous reprend ce soir quand il fera noir. A few moments later. Et nous partons faire de la motoneige. Je sais pas si on m'entend bien. On est équipé de la tête aux pieds. Et ça y est, on y va. Il n'y a que nous deux, on est dans un petit groupe, du coup c'est trop bien. Allez, let's go. Comme il y a du vent pour admirer la vue, mais c'est incroyable tous les paysages qu'on a vus. Là c'est un parc privé, je sais pas si on m'entend bien. Je disais, on est sur un parc privé que seulement l'entreprise avec qui on est parti pour faire la motoneige possède, donc on est les seuls à passer ici et c'est incroyable. Tout est enneigé, en plus cette nuit il a neigé, donc c'est trop 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 beau. Les chemins sont, enfin, j'ai l'impression d'être dans Narnia, hein Théo? Incroyable. On est dans Narnia. C'est trop beau. On est trop 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 contents. On avait hésité en plus à le faire, mais finalement ça vaut le coup. Thank you.
notre dernière soirée en Laponie et au village du Père Noël. On est trop triste, c'est passé trop vite. Après, en même temps, au bout de quelques jours, t'as fait le tour des activités. Et du coup, ce soir, dernière activité, là, on va boire un petit cocktail. Et après, il y a un monsieur qui vient nous chercher pour partir à la chasse aux aurores boréales. Alors, c'était très couvert toute la journée, mais il dit qu'en dehors de la ville, apparemment, il y a des chances de les voir. Et Théo nous fait encore une boule de neige. J'ai l'impression que ce vlog, c'est à toi qui fais des boules de neige. Bon, ça y est, c'est la fin. On est en train de faire toutes les valises. On est trop triste. On est resté du coup 4 jours, 3 nuits. Honnêtement, je pense que c'est suffisant si vous envisagez à venir en Laponie parce que il y a quelques activités, mais c'est vrai qu'au bout de 3 jours, t'as fait le tour. Et ça coûte très, 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 très cher. Toutes les activités coûtent très cher. Les restaurants coûtent très cher. Les bars coûtent très cher, donc 3-4 jours c'est suffisant, en tout cas pour nous c'était suffisant, on a pu faire tout ce qu'on voulait faire. On n'a pas pu voir les aurores boréales malheureusement, je ne sais pas parler, il est 9h du matin, mais on compte revenir, on compte faire d'autres trips en Scandinavie, donc on espérera les voir une autre fois. Sinon, malgré le prix qui coûte cher, les vols n'étaient pas très chers. Le logement, ça allait encore parce que justement, on est après la période de Noël. Je pense que pendant la période de Noël, c'est très cher pour les logements et les vols. Et sinon, bah, ça vaut quand même le coup. C'est vraiment magique ici. On a trop kiffé. Ça change de tout ce qu'on a pu voir avant dans tous nos voyages, etc. Surtout, ça change de Bali. Du coup, on part avec plein d'étoiles dans les yeux et on compte revenir plus tard avec des enfants parce que c'est vraiment magique, il y a le Père Noël, il y a tout. Donc voilà, merci d'avoir suivi le vlog, bisous.